fameux frein à disque. Là, il y a une espèce de soupape. Dès que je vais presser la manette là-bas, tac, ça va refermer. Enfin, avec une plaquette, ça va toucher le disque et ça va freiner. Là, je suis en 8e, il y a 9 millions. Je lubrifie assez souvent, c'est pour ça que d'ailleurs ils sont assez propres. Je sais pas si c'est l'eau que... Là, comment... Enfin, ça, c'est bien. J'ai bien raboté une roche. J'ai filé la broutille, comme on dit, dans les chemins de terre. Mais c'est pris une roche. Et là, je l'ai nettoyé un peu. Il est assez propre. Du coup, bah, ça se voit pas, mais il était plein de terre, alors. Là. Alors. Là. C'est le réglage de l'amortisseur. Là, par exemple, là, je suis en mode course. Faut pas qu'il y ait de bosse, il y en a mal. Là, tout terrain. Là, c'est assez souple. Voilà. Tester si le phare fonctionne. Ouais, ça marche. Alors, une petite vue globale. Voilà. Ah oui, il y a des disques aussi à l'avant. J'ai oublié, fait faire tomber le vélo et vous avec, et moi avec. Voilà, les disques. Bah, on est en vue globale. Par contre, celle-là c'est vraiment trop court comme vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, allez, présentation de la Kawa. Hello. Alors, Kawasaki. Ben, Viking, soit le moteur, c'est un Kawasaki, mais tondeuse, c'est une Viking, modèle 486K, moteur Kawasaki, je voulais vous montrer la plaque marquée Kawasaki de l'autre côté, mais honnêtement, j'ai pas trop envie, enfin, j'ai un peu la flemme de, bon, non. Alors, je vais en profiter pour voir si j'ai de l'huile. J'ai de l'huile, mais ça se voit pas parce que j'ai mis le flash sur mon téléphone. Mais elle est vraiment sur une vidange, elle est sale et je suis en mini. J'ai plus trop d'huile, enfin une vidange s'impose. Elle est dégueulasse, comme le vélo d'ailleurs. Là, le cadre. Enfin bref, vous avez compris. Ça, c'est une manette qui marche super bien. Tourneuse professionnelle pour moi. Ça, starter, max, juste après le starter. Ça, mini, stop, mais elle met. Allez, 40 secondes à caler. Là, cette manette-là, j'ai d'ailleurs déjà remplacé le ressort, celui-là. J'ai dû le remplacer parce que tellement, en fait, il y avait une énorme pression dedans et le truc, il est con. Je l'ai perdu. D'ailleurs, c'est un système que la trappe, vous voyez. Je vais vous mettre dessus. Ah, je vais retenir ça en même temps. La trappe que vous voyez là. Bah, il y a tout le système de transmission. Et aussi, il y a le cache là. Ce cache là, bah, il y a tous les fils qui posent dedans. En vrai, c'est galère. Dès que c'est en panne, c'est chiant en fait. C'est là, volant moteur. La transmission. Là, je suis en mode rapide. Là, je suis en portée. D'ailleurs, ce que j'ai fait, je suis beaucoup trop vite. Je pars barré. Non, il est toujours là. Hop. Voilà. La corde de lanceur revient super bien. Tout neuf, le truc. Bouchon d'essence. Au revoir, faudra que je vidange parce que je vais peut-être vous montrer. Je vais vous montrer. Hop, regardez là-dedans toute la MERDE qu'il y a là-dedans au fond. Là, ça passe dans le carbu et après on s'étonne. Oh, ça démarre pas. Et ben oui, que ça démarre pas. Le carbu est bouché.
des gifleurs mouchés et tout. Ça m'est... J'ai déjà fait deux fois cette machine. Là. Et là. La motobineuse. Je voulais faire une vidéo dessus. D'ailleurs, je vous ai filmé. J'ai fait une vidéo dessus, mais elle avait pas redémarré. Du coup, finalement, je l'ai supprimée. Et j'ai des trucs à refaire, carbu. Celle-là. Elle redémarre, comme d'habitude, du premier coup. Et voilà. Attendez, excusez-moi deux secondes. Tristan, mais pars ! Oh ! Pardon, excusez mon frère, il est un peu fou des fois. Là, on voit, elle est un peu sale. Bon, un peu beaucoup sale. Parce que bien sûr, je l'ai mis dans l'herbe en face. Je l'ai mis dans l'herbe en face et voilà, l'herbe est dégueulasse. Plein de bouillasse, de tout ce que vous voulez. Ouais, ben voilà. Oh, d'ailleurs que je vérifie tout ce qui est filtre à air. Il y aura une bosse, ce sera bah vidange de réservoir, d'essence, vidange, enfin nouveau filtre à air. La durite qui est ici, il faudra que je la change. Là. Là, il y a le carbu, vous verrez rien à cause de la putain de durite. Il y a la vis en dessous, il y a une vis. Et là, bah, ça fuit. Parce que là, et mon doigt, regardez mon doigt, il y a de l'essence là, là-dessous, en dessous de la queue. Bah, c'est. Il y a de l'essence, là, ça fuit. Par contre, il y a des gens qui savent ce que c'est, ça, ce truc électronique. Ça a l'air d'être une maths. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On voit que c'est relié. Je sais pas. Voilà. Incroyable. J'ai d'ailleurs fait une réparation. Je vais pas filmer parce que voilà. J'avais pris un vieux tube, j'ai recollé comme ça. Par contre, j'ai mis des vis et j'ai pu penser à quelque chose. On va mettre le panier. Regardez. Ça tape dans la vis. Et du coup, je peux plus mettre le panier. Et honnêtement, j'ai. J'ai pris un après-midi. J'ai pris une journée pour faire ça. Ouais. C'est galère, c'est chiant. Un petit pictogramme très bas. Comme une Honda. Comme Honda d'ailleurs, qui est une fou. J'adore ce pictogramme là. Elle est dégueulasse. Franchement, j'ai oublié de la nettoyer. J'avoue, c'est de ma faute. Mon petit carte. Et je me pète la gueule, super. Là, la Honda. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est j'ai peur par exemple de mettre des liens dans les trucs de commentaires, dans les liens en description ni en haut à droite. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous tapez dans YouTube redémarrage. Bah, tout simplement, vous tapez, vous allez voir dans ma chaîne YouTube et. Ça sera la seconde vidéo. Enfin, pour l'instant, c'est la première. Mais dès que je vais sortir celle-là, bah, ça sera la seconde. Faudra d'ailleurs... Bah, celle-là, je vais la faire marcher un peu. Celle-là, ça, elle repartait pas. Je vais pas filmer. Une... Une coque. En fait, c'est une coque abandonnée, une carcasse. Et j'ai ouvert le capot. D'ailleurs, qui s'est écroulé. Et voilà. Le bac de la Viking, je peux plus mettre. Bah, je pense que je vais vous laisser. Surtout, likez, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Surtout, merci de regarder mes vidéos. Salut!